sera rien, Jérôme Bélanger, leur fédérant. Général de corps aérien Jérôme Bélanger, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Issu de la promotion 1989 Clément Ader de l'École de l'air, le général de corps aérien Jérôme Bélanger a commencé sa carrière opérationnelle au Grand 1-5 Vendée, où il a été commandant de l'escadrille SPA 124 Jeanne d'Arc. Puis, il a commandé le groupe de chasse 1-2 Cigogne sur la base aérienne 102 de Dijon. Ses affectations en état-major l'ont conduit à servir au CTAOA et à l'inspection de l'armée de l'air. Il a également servi en cabinet auprès du ministre des Armées, puis en tant que chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air, et enfin au poste de chef de cabinet du chef d'état-major des armées. Commandant de la base aérienne de Saint-Dizier en 2013, il prend la tête de la base aérienne 701 de Salon de Provence en 2018, où il sera aussi directeur général de l'école de l'air. Général commandant les forces aériennes stratégiques depuis 2021, il est nommé pour devenir chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace à partir du 16 septembre 2024. Il comptabilise 2400 heures de vol et 59 missions de guerre. Il est commandeur de l'Ordre National du Mérite et décoré de la médaille aéronautique. Ordre du jour numéro 48 du 18 juillet 2024. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l'armée de l'air et de l'espace. Depuis 90 ans, notre mission est immuable, défendre les Français et leurs intérêts depuis le ciel et désormais depuis l'espace. Pour autant, la puissance aérienne et spatiale que nous mettons en œuvre, en cohérence avec l'évolution de la menace, a changé de caractère, de forme et de mode d'action pourtant. Ainsi, notre outil de combat, nos bases aériennes, n'ont eu de cesse de se moderniser. Aujourd'hui marque une étape fondamentale de l'histoire de notre armée et de son progrès. Aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace ouvre un nouveau registre. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de la base aérienne capitaine de Seine, vous êtes les acteurs de ce renouveau. Votre base aérienne, implantée depuis 1939 sur les trois communes d'Orange, de Camaret-sur-Aigue et de Jonquière, est un maillon essentiel de notre système de défense qui s'étoffe et se renforce avec l'arrivée du Rafale. L'accueil du fleuron de l'aviation de chasse française à l'entrée de la vallée du Rhône, au pied du Mont Ventoux, a nécessité des travaux de modernisation, d'infrastructures et de réorganisation colossaux. Si le temps est l'architecte de ce projet, vous en êtes les maçons, et cette entreprise est moins une œuvre individuelle qu'une œuvre collective. Chacun et chacune, de Carita ou de Geil, aux côtés des nombreux acteurs du ministère impliqués dans ce projet d'ampleur, a apporté sa pierre à l'édifice. Soyez fiers du travail accompli. Au-delà, ayez conscience que cette expérience a créé un lien entre vous, celui décrit par Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle, quand il dit « Si tu veux qu'ils soient frères, oblige-les à bâtir une tour. » Mais l'architecture seule, sans la culture, serait une coquille vide et ne pourrait refléter l'âme de l'aviateur. Cette œuvre serait comme tronquée, incomplète.
Alors, pour que le renouveau prenne un sens, il faut qu'il incarne un retour aux sources. Le temps qui coule doit ramasser l'ouvrage de nos aïeux et transmettre le témoignage d'un passé noble de génération en génération. Pour ce faire, un seul moyen, les traditions. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de la 5e escadre de chasse qui renaît ce jour. Les traditions sont dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. Vous retissez aujourd'hui le fil de la tradition d'une escadre légendaire mise en sommeil le 29 juin 1995. Ces lettres de noblesse débutent dès sa création, le 1er avril 1945, sur le terrain de Salon de Provence. Pendant 50 ans, sa composition n'a cessé de s'adapter. Des groupes de chasse originels, Travail, Limousin et Auvergne, naissent l'Île-de-France le 30 avril 1946, le 1-5 Vendée le 10 février 1949, le Comtat-Venessin le 1er janvier 1953. Les traditions, enrichies par les faits d'armes de l'escadre, au cours des premiers détachements de son histoire, en Afrique du Nord, au Tonkin, en Algérie, enfantent de nouveaux symboles, dont certains ornent encore aujourd'hui vos étendards. Puis le passage aux avions de réaction, mêlé à la géopolitique du moment, propulse la 5e escadre en première ligne d'une série d'opérations extérieures de manière quasiment continue pendant des décennies. Manta, Épervier, Desert Shield, Desert Storm, Alice, Balbuzar, Cresserel, Salamandre. Les horizons aux horizons se succèdent. Et la 5 mûrit, chargée de nouvelles expériences et de nouveaux souvenirs à chaque étape de son vol dans l'histoire. Elle se façonne alors une identité, crée un cérémonial entre les aviateurs qui la servent, d'où émerge une essence caractéristique, l'excellence de la défense aérienne par l'exigence. Son palmarès est un miroir étincelant. Croix de guerre 39-45, croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec trois citations à l'ordre de l'escadre pour l'Indochine. Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec Palme pour le Koweït et port de la fourragère associée. Tous ces succès, la 5e escadre les doit tout autant aux pilotes qu'aux mécaniciens qui ont œuvré sans discontinuité depuis les origines. Créé le 1er avril 1959, le groupe de maintenance 20005, qui travaille sur les Mystères 4, évolue en parallèle des aéronefs et des restructurations pour devenir successivement le GERMAS, l'escadron de maintenance technique, le GMMTS, le STS, puis l'ESTA 02005 Baroni en 2012. Aujourd'hui, la constellation de la 5 se reforme en intégrant l'escadron de soutien technique aéronautique qui prend de facto l'appellation 15005 Baroni. Et parmi les astres qui gravitent au sein de l'escadre, il est une étoile d'une lueur particulière, l'escadron de chasse. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l'escadron de chasse 1-5 Vendée qui sort de son sommeil aujourd'hui. La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu, enseigne Gustave Mahler. En tant que nouveaux aviateurs du Vendée, vous devenez porteurs d'un feu séculaire. L'empreinte de vos pas se fait plus profonde. Vous vous inscrivez dans une longue chaîne d'événements qui prennent racine dans la première ligne du livre d'histoire de l'aviation militaire. En effet, l'escadron de chasse 1-5 Vendée, votre escadron, est constitué des escadrilles SPA 26 Cigogne de Saint-Galmier, SPA 124 Jeanne d'Arc et C-46 Trident qui ont été créés au cours de la Première Guerre mondiale. Les emblèmes de ces escadrilles ont marqué les empennages de nombreux avions au fil des années. Le Morane Saunier, la famille d'Espade, les Caudrons G3 et R4, le Devoitine 520, le P39, le P63, puis le Mystère 4, le Mirage 3C, le Mirage F1C, le Mirage 2000 CRDI et maintenant le Rafale. Leur destinée s'est construite grâce au courage de leurs fougueux pilotes, Roland Garros, Chiguenot, Lafond, Humière, Lacombe, Duguit, Boudier. En 75 ans, les missions, les combats, les actions d'éclat du 1-5 sont indénombrables. Aviatrices et aviateurs de la 5e escadre de chasse, aviatrices et aviateurs du Vendée, aviatrices et aviateurs du Baroni, levez vos fronts,
Vous êtes dorénavant les gardiens du culte de vos anciens. Soyez-en dignes, mais surtout, surtout, souvenez-vous que la véritable tradition dans les grandes choses n'est point de refaire ce que les autres ont fait, mais de retrouver l'esprit qui les a fait et qui en ferait de tout autre en d'autres temps. Alors, à vous maintenant de faire vivre ces traditions, de les faire devenir, de les faire grandir. À vous maintenant de générer la puissance aérienne avec l'exigence et l'excellence de votre lignée. À vous maintenant de faire de belles et grandes choses pour la gloire de nos ailes et le succès des armes de la France. Fermez le banc. Thank you.